Bonjour. Bienvenue dans Diplomacy is not an option. Petit jeu qui sort, voilà. Mes intros sont de pire en pire. Et j'aime bien le dire, ça me donne l'impression que c'était drôle ce que j'ai dit. Le jeu me propose un tuto et je trouve vraiment très intéressant la manière dont il l'annonce. Diplomacy is not an option n'est pas le jeu le plus facile à jouer afin d'éviter tout traumatisme psychologique et pour la sécurité de votre PC. Certaines personnes peuvent trouver des moyens surprenants de gérer la colère et le désespoir. Je vous recommande vivement de jouer le tutoriel. Et je trouve ça super chouette les dessins. Donc je vais me débrouiller. J'ai pas peur, connard. Bonjour monsieur, votre grand-père, Duncar Arc de Fer, a reçu fief titre de noblesse de la reine Sibylle insouciante pour pouvoir couper un morceau de 15 chevaliers. En 15, chevaliers, et mordu l'oreille d'un autre dans la bataille pour l'indépendance de Samrenia. Fief était un endroit agréable sous le règne de votre grand-père, pourtant votre père en a laissé une grande partie désolée, en particulier la cave à vin. Mais il s'est cassé le cou en chassant des lapins. Votre règne a commencé étant jeune, vous voulez devenir un héros, mais après 16 ans de votre vie paisible au milieu de nulle part, vous avez oublié ses rêves. Après tout, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez déjà une lignée glorieuse et un château. Sélectionnez la difficulté, une promenade dans le parc, défi accepté. Challenge accepté. Le mec, il se fait chier. Hein. Oui. Seigneur, votre dame demande des nouveaux rideaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? De soie, il va donner plus de... Avec des froufrous dorés. Merci, messire. Un jour, deux, ah oui. 48. Il va compter, un, non. Ah putain. Seigneur. Quoi encore ? L'écuyer de votre fils est tombé dans le fossé. Et ? Un nouvel écuyer nécessaire. Merci, messire. Non. Seigneur, votre fille... Il a plein le cul. Merci, messire. Ah, c'est dommage de faire passer cette intro. Et le soir, il y en a plus. Entrez. Messire ? Le percepteur vient d'arriver. En temps voulu. En effet, messire. Et où est mon argent ? Le scepter ne l'a pas apporté. Il est à peine arrivé en un seul morceau. Les paysans se révoltent et ils refusent de payer. Une foule de rebelles marche sur le château. Ok. Bonjour messire, le 28 avril 1491, mon fief s'embrase, soudain de feu et de rébellion paysanne. La foule veut ma mort ainsi que celle de ma famille et de toute autre personne liée à la royauté. Une masse de pouilleux armés de sales râteaux se dirige vers mon château en ravageant tout sur son passage. Repousser toutes les attaques ennemies, tuer tous les rebelles de la vallée. Ok, let's go. Qu'est-ce que je fais ? Sélectionne. C'est quoi c'est ? Ok, alors. Conseiller, seigneur, pour la première fois dans l'histoire, votre château sera assiégé, nous allons survivre. Pour contrer cette épopée. Je vous conseille de prendre des mesures qui s'imposent. Ok. Où sont les méchants ? Ah. Ça a servi à CAD. Ok. Ça, ça se loot. Consommation de nourriture. Tiens, par jour. Croissance 5 par jour. Ok. Ah, bonjour. Pan, allez. Vas-y. Ça défonce du paysan.
On va pas me casser les couilles, hein, ces putains de paysans, là. Moi, je suis le roi, ok. Hop, vas-y, je vous loot, en plus. Oula. Parfait. Hop. Oh là là, la catapulte. Oh, la catapulte, elle a pas acheté sa deuxième paire de lunettes avec le Père Noël pour seulement 1€. Allez, vas-y. Oh, parfait. Est-ce que les flèches font autant de dégâts que la catapulte? Qui fait mal. Oh, il a une faux. Je vais tuer celui avec la faux. Pouette. Voilà. T'es mort. J'espère que tu as apprécié ce petit moment agréable paysan. Tu as voulu te rebeller. Tu es mort comme une merde. Je suis le roi, ok? C'est moi qui tue les gens. C'est moi qui picole avant de tuer les gens. Là, il y a un truc. Je veux bien le récup. Et un campement. Hop, parfait. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Vas-y, on va les laisser se démerder. Tuer tout le monde. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. En même temps, on est les gardes du roi. On a beaucoup de vie. C'est juste des paysans. C'est rien à foutre. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Allez, les archers, faites votre taf. Tuez-les avant qu'ils arrivent sur moi. S'il vous plaît. Lui, là. Tuez-le, lui, là. Lui, lui, lui. Est-ce que j'ai perdu un mec? Non, c'est bon. Par contre, j'en ai un qui a plus de PV. On va pas tarder à crever, je pense, si on fait de la merde. On le laisse faire, c'est bon. Voilà, on a détruit 4 cabanes. C'était 4 cabanes qu'il fallait. Ok. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais dire c'est fait? Objectif. Repousser les attaques ennemies, tuer tous les rebelles de la vallée. Ah oui, d'accord, merde, on doit repousser les attaques ennemies, mais oui, tuer les rebelles aussi. Qu'est-ce que tu viens de lire? Oui, pardon. Titatitatou, je me déplace dans mon petit royaume. Est-ce qu'on soigne? Je sais pas trop. Est-ce que mes mecs se soignent? Est-ce que vous avez des barres de vie qui augmentent? Je pense que oui. Vous aviez moins de vie avant. Ouais, ça remonte. Parfait. Alors, allons péter des gueules. Il n'y a personne. Okay. Passer dans la forêt, camouflé, tout va bien. Moi, je veux bien stopper les attaques des gens, mais personne ne m'attaque pour le moment. Est-ce que je les ai tués trop tôt? Ce serait dommage. Un si beau traitement dans mon royaume. Seigneur, vous ne pouvez pas être attaqué, vous avez déjà tué tous vos paysans. Ah, cool. Je me sens nettement mieux. Maintenant que tout le monde est mort. Et que les seuls en vie m'obéissent doigt et à l'œil. Faut arrêter, madame la catapulte, de faire n'importe quoi. Hein. Faut arrêter, tout le monde vous voit. Hein. C'est gênant. Ok, pour un roi, il faut que la catapulte, elle fasse pas n'importe quoi. Donc arrête de faire n'importe quoi. Prends, tu es lui, voilà. Là. Hop, ça c'est un deuxième campement un peu plus hard. Ah, si t'appuies sur espace sans faire exprès en posant ta main sur ton bureau, tu mets en pause le jeu. Est-ce que t'es content de la prendre? Ok, c'est pas mes barres de vie qui sont dans le rouge. Oula, ils sont nombreux. Où est la cata? Viens, fais des tirs là-dedans. Reculez, monsieur, vous êtes mort. Cadavre à enterrer. Ah ouais, en plus il faut enterrer les gens. Ah non, moi j'ai pas envie. Ah moi je suis venu pour m'amuser, hein. Je suis un roi de merde. Oh putain. Ah je suis en train de perdre tout le monde. Ah putain. Alors jusque là on se marrait, hein. C'était cool. Et puis il y a eu le drame. Ça manque d'un message, genre. Vous auriez dû être à ce stade sans avoir perdu un seul guerrier. Mais grâce à votre lecture assidue du tuto, vous êtes dans la merde. Ça serait rigolo. Est-ce que je peux former des gens là? Invoquer. Vas-y. Invoque. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas ce que c'est comme ressource, mais...
Mais voilà, on rigole plus là. Alors, bande de connards, est-ce qu'on veut se prendre des coups de chevalier? On fait moins les malins. Hein. Pétez-moi ça. Là. Ok, ça a pas l'air de faire l'objectif. Hein. Tac commencera à 4 jours. Ah oui, d'accord, en fait. Pardon, j'avions pas compris. On va accélérer le jeu. Si ça arrive jour 4, il faut... J'ai pas que ça à foutre. Je suis un roc à pas le temps, ok. On prend un max de ressources. Sinon, c'est pas amusant. Jour 2, j'imagine. Aucune info sur quel jour je suis. Ah, ça y est, ça arrive. On voit sur la minimap... un portrait qui dit attention, hein, je crois que vous allez vous faire attaquer. Hein. Alors est-ce que ça me donne juste la direction par laquelle ça vient et ils sont en train de bouger et je fais pas gaffe, ou est-ce que ou est-ce qu'ils sont bien au bout du truc? Je vais retourner à ma base doucement. Ah merde. Bon, en même temps ça ne pouvait pas durer indéfiniment, mais je peux pas attaquer ici sans mes gardes fantômes, parce que je vois pas trop ce que c'était comme genre de garde. Donc là on aura tout un système de bâtiments. Ok, on a un peu plus de gens qu'au début. Ils vont encore plus vite. Il me reste que des archers de merde. Je vais conseiller le seigneur. Il semble que nos éclaireurs ont des yeux d'aigle. Manque de base. Attends. L'un d'entre eux dit que les attaquants sont nombreux. La seconde, très nombreux. Le troisième a perdu le compte. Et le quatrième ne compte pas du tout. Très bien. Moi, ça me va, les jeux avec de l'humour tout le temps. C'est très drôle. Ha. C'est quoi la ressource pour ça? Ah ok, 2 cristaux, j'en ai 15. Ok, je n'ai pas peur. Je vous attends, bande de bâtards. Vas-y, le timer. Les ennemis arrivent bientôt. Messire, permettez-moi de vous présenter la foule de Sévoriens mal lavés qui osent vous défier. On les attend. Je les attends de pied ferme. Hein. Voilà. Ah, un arbre de recherche. Oh là 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 là. Pourquoi vous avez fait dessiner votre enfant? Non, cool. Franchement, cool. Cool. Il y a vachement de trucs. Bon. J'ai l'impression que c'est un jeu qui a beaucoup de choses à donner. Donc, je suis très curieux. Allez, on y va avec les gardes fantômes. Genre, vraiment rien à foutre. Hein. Il leur marave la gueule en plus, genre, on est gratos, enfin on, des cristaux, mais on est gratos, on leur pète la gueule. Apparemment la populace affamée, démunie et défavorisée cherchait simplement un moyen de mourir avec dignité, comme il sied un sage berger, vous avez montré au troupeau la bonne direction. Parfait. Ah, et en fait, ah oui, c'est vrai qu'il y a un mode endless, donc après je pense que ça va évoluer... avec des attaques plus violentes, etc. Et que là où je regardais pas trop les constructions, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Améliorer, il me faut des ressources que je n'ai pas. Ouvrir toutes les portes, fermer, ouvrir la fenêtre de Coversia, réparation, construire. Population, maison. Ok. Hop. Maison de cueilleur de baies, poète. Cabane du pêcheur. Poète. Production. Siri, raconte-moi une blague. Mine de pierre. Sans doute là. Ouais. Le mec qui dépensait toutes ses ressources. Vous êtes vraiment un roi de merde. Pardon? Et une caserne. Vas-y. Et là, c'est parti. Construisez-moi tout ça. Pendant ce temps-là, je vais continuer mettre... Oh non, 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 je continue pas. Non, faites pas n'importe quoi. Oh putain, je veux pas perdre mon archer, il est précieux. Butez-moi cette merde-là. Alors, par contre, ils construisent hyper vite, hein. Ils ont pas le temps de niaiser. Maison, ok, donc j'ai plus de place pour mes villageois. Est-ce que je dois attribuer les gens? 2/2, ok, ça se fait tout seul, 2/2, parfait. Ici, 1/1, ok, plus qu'à faire la caserne. Bon, ça a l'air pas mal pour le coup, j'ai vraiment complètement ignoré ce truc.
au début de la construction. J'aurais pu juste me faire casser la gueule sur le premier rush. Genre, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous avez servi à rien. C'est vrai. Maintenant que vous le dites, j'ai fait de la merde. Est-ce que ça, ça se construit pas parce que j'ai pas les ressources? Ça y est. Les constructeurs sont en déplacement. Alors pour le coup, ça vaut le coup de regarder ici. Pour le coup, ça vaut le coup. Boîte à outils avancée. Les boîtes à outils avancées augmentent l'efficacité de chaque constructeur. Du pourcentage de vitesse de construction de réparation. Ok. Vitesse de déplacement. Ok. Et ça vaut des parchemins donc pour se torcher. Boîte 1. Ok. Hop. 2 minutes. Parfait. Ah, vous avez perdu tous vos archers en faisant de la merde. Est-ce que vous êtes content? Parce que là, ils vont crever. Je vais les laisser mourir. Je m'en fous, ok. On a dit que la diplomatie n'était pas une option. Donc je suis pas là pour me faire des potes. Moi, je suis roi, ok. Je suis plutôt là pour faire le despot. J'ai envie de voir comment... Écoute, comment ça se passe ici. La construction, ils sont pas... Ils sont... Ok, garde, il me faut... Ok, au niveau des ressources, ça donne un peu le ton. Est-ce qu'il y a des améliorations? Détruire, améliorer. Parfait. Bon. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là-dessus. Ouais, mais ça va me faire rusher la gueule. Vite, fuyons, fuyons, tas de cons. Tiens, 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 tu veux? Connard. Je crois quoi, moi, je suis le roi, ok? Je vais m'arrêter là-dessus. Diplomatie is not an option. Petit jeu, moins de 20 balles sur Steam. Je pense que ceux qui aiment les RTS, ça vaut sans doute le détour. Peut-être regarder un peu plus de contenu parce que ma vidéo est assez pauvre en contenu là-dessus. C'était vraiment plus une prise de température. Qu'est-ce que c'est? Il y a des zombies? Ah non, c'est juste des villageois un peu débiles. Ils ont l'air vénères, hein. Ils ont l'air vénères et ils ont... Ouais non, c'est des squelettes, putain. Ah, c'est les mecs que j'ai pas enterrés. Quel enfer. Bon. Eh ouais, City is under attack. Parce que en plus, les villageois se défendent pas, on est d'accord. Ouais, on peut pas les sélectionner. Ok, parfait. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'y rejouerai peut-être. Je sais pas. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, salut.